J'ai retrouvé cette vieille amphore en verre chez mes parents et je vous avoue que j'ai toujours rêvé d'avoir un vivarium. Alors c'est parti. La première étape, c'est bien entendu de nettoyer ce vieux récipient qui est plein de poussière, et ensuite j'ai la chance d'avoir une forêt au-dessus de chez moi, donc je m'y suis baladé pour récolter tout un tas de choses que je pourrais y mettre dedans. A commencer par la terre, c'est très bien de la prendre in situ directement avec toutes les petites bestioles qui grouillent à l'intérieur. J'ai également collecté diverses sortes de mousse, j'adore la mousse et j'en tapisserai le sol de mon vivarium. J'ai aussi pris des cailloux ou des branches de bois sur lesquelles il y avait déjà de la mousse. Donc vraiment toutes sortes de choses pleines de vie jusqu'à la plus petite pousse. J'avais aussi envie de rajouter un petit arbre à mon vivarium, donc quand j'ai vu cette plante, je me suis dit ça y est, c'est celle-là que je veux. Bon, à main nue, bien évidemment, c'était impossible, donc j'y suis allé avec quelques outils pour la récupérer avec le maximum de racines, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez quelle est cette plante exactement. Et enfin, et bien évidemment, de l'eau. Et en plus, j'aimerais bien ajouter une partie aquatique à mon vivarium, donc comme le reste, hein, je la prends in situ. Pour la première étape de la construction de mon vivarium, je dépose des cailloux au fond. Ça, c'est des cailloux que j'avais pris au fond du ruisseau, donc cette partie ça sera la partie aquatique. Il y a même justement des petites bestioles qui restent sur mes mains. Ensuite, bien entendu, on vient mettre la terre au fond qui va servir à tous les vers de terre, et le plus intéressant par-dessus, la mousse. Bon, je vous avoue, j'ai galéré à faire rentrer certains blocs de mousse dans le vivarium, mais bon, ne vous inquiétez pas, j'y suis quand même arrivé. Par contre, il y a quand même un autre problème, c'est que le petit arbre, en fait, eh ben, il est plus grand que le vivarium, donc malheureusement il dépassera du vivarium. Maintenant on ajoute l'eau, les différents éléments comme les bouts de bois. Voilà, il y a même des bouts de bois qui étaient pleins de calcaire qui vont donc finir dans la partie aquatique, ou d'autres bouts de bois qui étaient trop grands, donc que j'ai cassé en deux pour pouvoir les faire rentrer. Je remplis avec le reste d'eau et je nettoie ensuite le vivarium pour qu'on puisse bien voir ce qu'il se passe à l'intérieur depuis l'extérieur. Et voilà, le vivarium est prêt. Et ce qui est trop fun, c'est que l'eau a déjà commencé à décanter et on voit déjà quelques petites crevettes. Oh, elles sont mignonnes les petites crevettes. The next day. Premier jour d'observation de mon vivarium. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a un max de buée, donc il y a de la vie là-dedans, c'était pas vraiment prévu, du coup on voit un peu que dalle. J'ai également remarqué qu'il y avait des mousses qui étaient quand même bien desséchées, donc pour les arroser sans les inonder, j'ai décidé d'utiliser un brumisateur. Maintenant que l'eau est devenue bien plus claire et que ça s'est décanté, on peut voir toutes les petites crevettes qui courent dans tous les sens. Et j'ai remarqué qu'elles restent beaucoup quand même de ce côté, là où il y a la mousse, je sais pas, peut-être c'est leur nourriture ou c'est parce qu'il y a des bulles d'air. J'ai aperçu un autre petit passager qui, je pense, est clandestin car c'est un insecte volant, donc je suis pas sûr qu'il était là au début. Alors au début, j'avais mis le vivarium sur cette table, mais vous voyez, il prenait le plein soleil. Donc j'ai décidé de le déplacer un petit peu plus à l'ombre, vu que j'avais pris des éléments en milieu humide. Je l'ai aussi légèrement incliné, comme ça la zone humide déborde moins sur la terre. Et enfin j'ai décidé de le peupler en ajoutant quelques habitants, donc ici des fourmis, et on voit aussi un gendarme et une autre espèce non identifiée comme cette petite bestiole. Voilà, j'ai mis à peu près une quinzaine d'insectes en tout, et je suis vraiment curieux de voir comment ils évoluent au fil du temps. Bienvenue dans la partie 4 de mon vivarium. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo plus informative. Merci beaucoup pour tous vos retours en commentaire et vous m'avez vraiment appris beaucoup de choses, à commencer par ces petites crevettes d'eau douce qui s'appellent en fait des gamars. Pour vous préciser, ce n'est pas moi qui les ai rajoutées, elles étaient naturellement dans le ruisseau. Vous avez été beaucoup en commentaire à me dire que ça, c'est un laurier, mais il y a quelqu'un qui m'a donné une application pour savoir quelle plante c'est, donc on va tester tout de suite. Bon, et ben j'ai fait deux tests, les deux avec le même résultat. Ceci est un laurier cerise. Oula, il y a du vent. Le gentil petit laurier. Veuillez excuser ma légère folle attitude, mais rassurez-vous, ce n'est pas à cause du confinement, je suis tout le temps comme ça. Bref, on continue, vous m'avez aussi appris qu'un terrarium avec une partie aquatique, ça s'appelle un paludarium, voilà, c'était l'info extraordinaire du jour. Ensuite, vous m'avez conseillé de changer l'eau, alors n'ayant pas de pompe, je m'y suis débrouillé avec les moyens du bord, mais c'était, disons, pas pratique. Et enfin, je suis malheureux de vous apprendre que le terrarium n'étant pas scellé, tous les insectes se sont échappés. Day 4. Bienvenue dans la partie 5 de mon terrarium. Aujourd'hui, on va voir ensemble les modifications que j'ai faites pour pouvoir fermer les vivarium. Alors on s'équipe et c'est parti pour trouver un autre arbre qui va enfin pouvoir rentrer dans ce bocal. Bon, j'en ai pris plusieurs, comme un hêtre et un châtaignier, il me semble, et même des fougères. Si vous reconnaissez ces plantes, je vous invite à partager vos connaissances en commentaire, parce que ça se trouve, je me suis trompé. Bref, pour enlever ce laurier, c'était pas une mince affaire, puisque quand je tirais dessus, il y avait la moitié du vivarium qui partait avec, mais j'y suis quand même arrivé, bien que j'ai eu à enlever la plupart des éléments autour. Ensuite, je me suis rendu compte que je manquais de terre, donc j'ai fait un aller-retour dans la forêt pour en reprendre et en ajouter autour de mes nouvelles plantes, ainsi que quelques brins de mousse. Une fois tout ça terminé, j'ai renettoyé le vivarium pour que ce soit bien propre, et je m'en suis allé replanter ce laurier dans son milieu naturel. Je vous partagerai en story sur Instagram comment il évolue. Et big up pour cette patate que j'ai déterrée en voulant replanter le laurier. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je la cuisine. En attendant, cette fois, je ne suis pas peu fier de la version finale de mon terrarium. Je vous donne maintenant rendez-vous sur Instagram pour voir des photos.